Je suis complètement gelée. Par où va-t-on commencer? Je pense à aller dans le champ où Lorna avait caché la tablette. Si j'étais un chêne chevelu, je voudrais probablement vivre à proximité de culture. Pas faux. Ça semble parfaitement logique. Enfin, je crois. Où est-ce qu'il est, ce champ? Je ne vois rien du tout avec cette tempête. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu as reniflé une piste, c'est ça? Peut-être. Oh, j'en sais rien. Oh, mon nez est tellement froid que c'est difficile à dire. En plus, je n'ai jamais cherché un réseau de chaînes chevelues avant aujourd'hui. Oh, je ne suis pas certaine que j'y arriverai, Bri. Je suis désolée. Maintenant, tu vas m'écouter, Felicity. Je ne sais peut-être pas comment renifler le cœur du réseau de communication des chaînes, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, à part ma peur, je ne sens pas grand-chose. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est toi. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, j'en suis certaine. Tu nous as conduits jusqu'ici. J'ai pas raison? Oui, c'est vrai. Attends. Je crois que... peut-être que... c'est ça! Ça y est! J'ai une piste! Fonce! Suis ton instinct, Felicity! Le cœur du réseau des chaînes chevelues est droit vers le nord. Et ça a clairement une odeur très chevelue. Oh, est-ce qu'on arrive bientôt? Oh, j'ai tellement froid que je vais me transformer en Esquimau! Courage, il faut tenir bon, Esquimau Bri. Je crois que ce n'est plus très loin. Waouh! Bri, viens voir ça. Je l'ai trouvé. C'est juste ici en dessous. Oh! Tu veux dire que le cœur du réseau de communication codé des chaînes chevelues se trouve en dessous de cette immense carotte? Exactement. Oh, je me sens le lapin de la situation. C'est merveilleux. Mais tu es le lapin de la situation. Excuse-moi. Et voilà. Merci. Mais... qu'est-ce qu'on a de la chance. Nous pouvons nous occuper du camion de glace pendant que les pingouins participent à la course dandinante annuelle du glacier enchanté. Carotte goyave, mes parfums préférés. Oh, attends, nous sommes censés faire de la glace, pas la manger. Oups, pardon. Heureusement que j'ai fabriqué ceci. Devenir nos pauvres amis pingouins. Si on utilisait la machine brise-glace. Excellente idée. Cette machine emporte les vents de l'Arctique jusqu'ici depuis le glacier enchanté. Vite, remettons-la dans la glacière. Voilà qui est fait. On a réussi. Victoire. Nous avons bien mérité une récompense. Une glace? J'aurais préféré que tu trouves ton sac à dos pour être prêt à l'heure. Parce que si tu avais fait ça, alors... Une seconde. Ta-da. Je m'appelle Felicity. Faire le portrait de mon visage en colère ne nous aidera pas à trouver le glacier enchanté. Je me disais que c'est un très bon portrait. J'ai une idée. Que diriez-vous de faire une pause et de pique-niquer? Qui a pris à manger? Oh, j'ai ça. J'ai aussi oublié la nourriture. Nous n'avons aucune provision. Peut-être que nous ferions mieux de rentrer chez nous. Non, on ne peut pas abandonner si tôt. Je sais qu'on trouvera le chemin du glacier enchanté. Flap, crois-tu que tu pourrais voler au-dessus des arbres? Comme ça, on saura quel chemin prendre. Par petits pas. Par petits pas, comme tu veux. Je vais essayer. Je la vois, je la vois. J'ai vu la montagne enneigée.
La montagne enneigée est par là. Bien joué, Flap. La ville est juste en bas de la montagne. Le glacier est enchanté et vraiment glacial. Je vous prête une de mes écharpes et celle de Flic. Il est temps de faire de la luge. Oui, Jayla. Avec les luges, on arrivera plus vite au glacier enchanté. Par petits pas. Attention, glacier enchanté! Maintenant, allons chercher cette glace toujours gelée qui ne fond jamais. La glace toujours gelée qui ne fond jamais. C'est si bon, oui, tout le monde en est fou. La glace toujours gelée qui ne fond jamais. Faut chercher pour la trouver. Oui, chercher partout. Je pense que je devrais sérieusement reconsidérer l'idée de déplacer notre usine de chocolat chaud loin de la clé de glace. Non, tu crois? Un petit flocon, qu'est-ce que c'était que cette chose? Un démon des neiges? Ce n'était clairement pas un lapin des neiges. Ni un renard des neiges. Ni un léopard des neiges. Je pense malheureusement que nous sommes face à un vrai mystère. Thank you.